Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du château des elfes, Caitlin vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Caitlin a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Caitlin appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non ! C'est quoi cette fois ? Écoute, désolé Caitlin, mais le pont des vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalore. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Caitlin, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalore. Je peux dormir à la gare de triage ? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Caitlin. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalore, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Caitlin fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leurs chaudières et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Hey, bonsoir tout le monde. Waouh ! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette. Youpi ! Je confirme, ça l'est. Salut, Gordon !